Hello tout le monde, bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Super, je vois que vous êtes là, c'est trop cool. J'ai vu passer Marie-France ton message sur la musique et le rayon de soleil. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Cette lumière m'explose les yeux, voilà, c'est drôlement mieux. Bonjour André, bonjour Martine, bonjour Nathalie, Marie-France et Héloïse et toutes celles que je n'ai pas vues dans les commentaires, je suis désolée. J'espère que vous allez bien, j'ai une tête à faire peur aujourd'hui. Mon Dieu, attendez, bougez pas, c'est une catastrophe, mes cheveux sont rebelles aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Comment allez-vous? Bon, on est ensemble, on se recoiffe. Voilà. André aime déjà cette carte. Bon, c'est génial. Alors, bienvenue, bienvenue. Nous sommes lundi, les 14h, et nous nous retrouvons pour notre live créatif de la semaine. Bonjour Catherine, bienvenue. Je crois que c'est la première fois que je vous vois dans les commentaires. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Je vous souhaite la bienvenue. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, justement, je suis Harmonie Marais, alias Harmonie Scrap sur tous les réseaux. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Indre depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et chaque semaine, donc, je vous propose un live créatif. Tous les projets que je vous propose sont évidemment exclusivement réalisés avec les produits Stampin' Up, mais ne vous inquiétez pas, merci Marie-Christine, ne vous inquiétez pas, vous pouvez sans problème réaliser les projets avec ce que vous avez chez vous. Si vous avez envie de réaliser à l'identique les projets, eh bien je vous invite à vous rendre sur mon blog harmoniescrap.com. Et faire à la fin du live, quelques minutes après, d'accord, il faut me laisser quelques instants quand même pour pouvoir faire la photo du projet qu'on aura fait ensemble, télécharger la vidéo, bref, un petit peu technique, mais allez, on va dire 30 à 45 minutes après le live, vous retrouverez donc sur mon blog la vidéo, la fiche technique complète et la liste de tous les articles que j'aurai utilisés pendant le live. Coucou ma petite Fafa, coucou Nathalie, bonjour Viviane et Suzanne. Ça me fait super plaisir de vous avoir aujourd'hui. J'ai un grand projet à vous montrer. Vous l'avez probablement vu passer sur les réseaux depuis vendredi. Je vous propose. Nathalie, arrête, c'est pas cool. Je vous propose un nouveau kit album. Alors cette fois, c'est un projet beaucoup plus conséquent que ce que je vous propose d'habitude, puisque vous pourrez compléter cet article, cet album avec entre 40 et 65 photos, alors de différents formats évidemment. Coucou Karine, merci Fabienne. Voilà, c'est un gros projet que je vous propose. Que les débutantes se rassurent, il y a une vidéo en pas à pas. Mais quand je vous dis pas à pas, c'est vraiment pas à pas. Donc, je l'ai voulu accessible à tous les niveaux de scrap, vraiment. Donc, les débutantes pourront suivre étape par étape, minute par minute, le projet. Les plus habitués et passionnés, eh bien, n'auront qu'à avancer la vidéo. Ça sera, voilà, quelque chose d'adapté à tout le monde. Et vraiment, j'espère que cet album va vous plaire. Je vais vous le montrer rapidement. Mais la vidéo de présentation est disponible et sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller y jeter un œil. Et le lien d'inscription se trouve en haut de la vidéo sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube. Voilà, vous savez tout. Je vais tout de suite basculer ma caméra et du coup, vous allez pouvoir découvrir donc cet album et aussi la carte qu'on va réaliser ensemble. Bonjour Maya, notre petit rayon de soleil, c'est trop gentil, merci beaucoup. Marie-Christine, tu ne l'as pas vue encore, mais tu n'as pas regardé la vidéo alors que tu t'es inscrite. T'es incroyable. Allez, c'est parti. Alors, voici le fameux album que je vous propose de réaliser, donc un kit complet. Alors, voyez ici, vous allez pouvoir insérer une photo dans la couverture. Je l'adore cet album. J'ai passé de nombreuses heures à le préparer, à faire la vidéo, etc. Mais je l'adore. Voilà comment il s'ouvre. Vous avez une pochette sur le côté. Vous avez un cadre ici avec l'ouverture. Ah, Suzanne est intéressée. Donc ici, vous pouvez l'insérer.
Ah, tu voulais dire que tu avais hâte d'avoir le kit. Bien sûr, je comprends mieux. Des petits volets ici, des petites cachettes ici pour mettre plein de photos. Vous voyez des formats tout à fait différents. Hop, une autre ici. J'essaie d'aller un peu plus vite hein, pour qu'on puisse commencer la création de la carte. Ici, une grande pochette encore pour mettre des photos. Ici, une cascade horizontale. Voilà. Ici, une boîte magique qui s'ouvre. Regardez bien. Par le bas. Alors, quand je regarde en même temps l'écran, c'est pas simple. Et du coup, vous avez des petites cachettes ici pour mettre des photos. C'est magique. C'est vraiment une boîte qui est incluse complètement dans l'album. Donc, ça, c'est vraiment trop chouette. Voilà. Et ici, vous avez une autre petite cachette. Regardez. Toc, je décale. Et oui, Suzanne, entre 40 et 65 photos selon les formats. Donc, c'est génial. Je l'adore, cet album. Et en plus, quand vous vous inscrivez, je vous laisse la possibilité de choisir parmi différentes collections. Vous n'êtes pas obligé d'avoir donc la collection Beauté à fleur d'eau. Vous pouvez m'indiquer les deux collections de votre choix, vos préférées. Et vous aurez la surprise à la réception du kit pour savoir laquelle des deux collections, eh bien, je vous aurai mise dans votre kit. Voilà. Merci Nathalie. Voilà. Je l'adore. Je l'adore. J'ai trop hâte de le remplir. Je pense que ce sera rempli des photos que je vais faire donc au mois de mai avec mon chéri. Mais oui, je pense que je vais le garder pour ça. Ça va être un voyage mémorable. Donc avec un bel album. Voilà. Donc vous pouvez vous inscrire. Vous avez jusqu'au 30 mars pour vous inscrire. Donc allez jeter un œil à l'article dont je vous ai mis le lien. Vous avez tous les détails à ce sujet. Allez, c'est parti. On démarre maintenant la création de notre carte. Une carte super simple. Vous allez voir. La première version, eh bien, j'ai utilisé la collection Parc Anglais. Voilà. Plein de couleurs, super lumineux. J'adore. Et ce qui est génial avec cette carte, c'est que vous allez pouvoir. Merci Catherine, c'est gentil. Vous allez pouvoir faire plein, en fait, de sortes de cartes Sunburst cartes. Ou en français, comme son nom l'indique, carte rayon de soleil. Il y a énormément de possibilités en ce qui concerne le sens de la carte, etc. Il y a une astuce à connaître et après vous allez pouvoir vous éclater avec plein de formats différents. Vous allez voir, je vais vous donner cette astuce tout de suite. Donc ça, c'est une première version avec la collection Parc Anglais. J'ai une deuxième version avec la même collection. Pardon Suzanne, je suis vraiment désolée. Toujours avec la même collection, mais cette fois-ci, peut-être verrez-vous la différence à l'image, je vais vous zoomer. Eh bien, tout simplement, les chutes de papier ne font pas les mêmes dimensions. Et ça, c'est pareil. Eh bien, vous pouvez sans problème adapter la largeur de vos chutes. C'est super intéressant selon les chutes de papier que l'on a justement. Ça veut dire qu'on n'est pas cantonné à une certaine largeur de papier. Et du coup, on peut faire des milliers de sortes de cartes de rayons de soleil et elles pourront toutes être uniques. Et ça, c'est vraiment génial. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer l'enveloppe coordonnée. Avec cette incroyable set de tampons dont je suis red dingue amoureuse. Vous avez dû le voir passer souvent sur mes créations. Je me recadre sur le beau projet d'aujourd'hui. Ça marche, Suzanne. Pas de souci, vous aurez le temps après le live d'aller jeter un œil un peu plus sur l'album et revoir la vidéo en détail. Ce set-là, il est vraiment génial parce qu'il permet de décorer l'intérieur de nos cartes, mais aussi nos enveloppes. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Vous avez vu, là, quand vous allez envoyer votre création, même l'enveloppe, elle est, voilà, elle est customisée. Et je trouve ça vraiment génial. Ici, je l'ai tamponné en béguin bleu et là, en sorbet sucré. Et vraiment,
Ça change tout quand la personne reçoit une petite carte de votre part. Non seulement elle se trouve avec une magnifique création, mais elle a déjà l'eau à la bouche avec l'enveloppe. Je vous montre l'intérieur de la carte. Voilà, une petite chute à l'intérieur pour décorer. Ça change un peu de la bande que je mets d'habitude à la verticale. Et un petit message ici, tout simplement. Vraiment, tout simplement. Coucou Christelle, bienvenue! Et pareil à l'intérieur ici, un petit morceau de papier, mais dans l'autre sens cette fois, avec toujours un joli message que j'aime beaucoup, qui vient du set de tampons édition limitée. Il était un peu loin de moi, je suis désolée, je l'attrape tout de suite, voilà. Voilà. Celui-là, il est top. Alors j'ai utilisé ce message-là pour cette carte, et puis le fameux fait à la main, créé avec le cœur, c'est vraiment... Génial, ça fait du bien d'envoyer des créations comme ça. Coucou ma petite Fabienne, je te fais plein de gros bisous. Coucou Martine. Alors, c'est parti, on va attaquer la création de cette carte. Bonjour Nadine, bienvenue. C'est pareil, c'est comme Catherine, je crois que c'est la première fois que je vous vois en live. J'espère que vous passerez un bon moment avec cette carte rayon de soleil. Alors, bon, la base de la carte, elle est... Comme son nom l'indique, basique. C'est-à-dire que je prends une base de cartes unie, toute simple comme on fait d'habitude, 14,85 par 10,5. Ça, c'est vraiment le format standard de nos cartes, d'accord? Et je viens tout simplement faire un pli à la moitié de 21, c'est-à-dire à 10,5. Jusque-là, ça devrait aller. Je vous assure que même les débutantes vont y arriver. Ah, j'aurais aimé faire, mais une lessive à faire et je cours sans arrêt. Oh, comme je te comprends, ma petite Fabienne. Allez, tu es forte, je sais que tu vas y arriver. Je t'envoie une palette de courage et une tonne de bisous. Et des rayons de soleil. Ok, ensuite, pour le matage, donc sur la première version. Mon matage est noir. Cette fois-ci, je vais partir sur du béguin bleu. Vous le savez, c'est une de mes couleurs préférées. D'ailleurs, ça va bien avec mon vernis, je trouve. Bon, bref. Donc, le papier de matage, c'est pareil, format standard. Donc, 10 cm par 13,8. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de préparer vos papiers avant. Vous retrouverez l'intégralité de ces mesures. Pour refaire eh bien, tout simplement cette création. La fiche technique sera à télécharger sur mon blog harmoniescrap.fr après le live, donc profitez. Non, pas de rouge aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu. Et oui, du coup, j'ai mis les boucles d'oreilles roses. C'est une amie scrapeuse qui m'a fabriqué ces boucles d'oreilles. Elle a un talent fou, comme les grandes rouges que vous avez déjà vues. Les roses aussi, elle me les a créées, elles sont magnifiques. Alors, on continue. Pour venir coller tous ces jolis triangles ici, il vous faut une base de papier pour venir les coller. Donc, pour cela, tout simplement un morceau de papier blanc, puisque de toute façon, on ne le verra potentiellement pas. Quoique, avec la version que je vais faire aujourd'hui, on va le voir, vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc, ce morceau, il mesure 9,5 par 13,8. Et en fait, il vous en faut deux. Pourquoi? Parce que donc... Premièrement, pour venir coller nos triangles, mais également pour l'intérieur. D'accord? Vous savez que j'aime bien customiser l'intérieur pour donner encore un petit effet supplémentaire quand on ouvre la carte. Donc le matage, il en faut deux. Et le 9,5 par 13,8, eh bien il en faut deux aussi. Ok? Alors, hop, ça, le matage, vous pouvez, si vous le souhaitez d'ores et déjà, venir le coller sur l'avant de votre papier. Ça, c'est tout à fait possible. Si je garde quand même ici mon coupe-papier, je vais en avoir besoin. Donc, ça, on peut déjà le coller. Ça sera fait. Que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur, voilà, ces deux morceaux de papier de matage, vous pouvez déjà les coller. Ça sera fait. D'accord? Puisqu'on n'a rien d'autre à y faire. Voilà.
Petite astuce avec ces matages, puisqu'on est dans l'utilisation des chutes et dans l'économie de papier. Ce que vous pouvez faire, c'est ici, vous voyez, j'ai utilisé la même couleur que mon matage pour mon étiquette. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous voulez prendre la même couleur, venir perforer ou poinçonner, donc avec une perfo ou des poinçons, ici au centre de votre papier. Comme ça, eh bien, quand vous allez le coller à l'intérieur, certes, il y aura un trou, mais comme ici, eh bien, il y aura votre papier, ça sera caché, et du coup, vous économisez un morceau de papier si vous n'avez pas de chute spécifique pour vos étiquettes. Est-ce qu'on peut le commander en plusieurs exemplaires? Christelle, est-ce que tu me parles, comment dirais-je, du kit de l'album? Si c'est ça, oui, bien sûr. Dans ces cas-là, il faut m'envoyer faire une première inscription sur le formulaire et puis m'envoyer un petit mail pour préciser les collections, par exemple, pour le deuxième exemplaire ou le troisième. Enfin bref, pas de souci. Ok? Sinon, on se parle en message privé après le live, il n'y a aucun problème. Voilà, donc la petite astuce pour économiser le papier. Perforez d'abord vos étiquettes et comme ça, vous économisez du papier. J'ai hâte de vous montrer cette petite astuce de la carte rayon de soleil. Vous allez voir à quel point on peut modifier tout ça. Alors, ça, je le mets de côté pour l'instant. Celui-ci, je vais le garder sous la main. Oups, hop. Et je vous montre tout de suite. Non, c'est l'autre, il est déjà prêt. Voilà. J'ai envie aujourd'hui de faire cette carte en format paysage. D'accord? Et pas sur l'intégralité de ma carte. Ah, là, ça, je suis sûre que vous ne vous y attendiez pas. Mais vous allez voir que de toute façon, l'astuce, le principe ne change pas. Donc, pas de panique. L'astuce principale pour cette carte, c'est de tracer des perpendiculaires. Ça, j'adore. Alors, je vous explique. Je vous explique tout de suite. Je vais vous montrer comme ça, mais avant de le faire, quoique... Non, je vous montre. Sur cette carte ici, j'ai simplement... Hop, ça sera un brouillon. Je ne vais pas le faire comme ça aujourd'hui, mais je vous montre comment j'ai fait pour celle-là. Tout simplement... Je me suis fait une marque à la moitié de la largeur. Coucou Claudine, ça va aujourd'hui? Donc, à 4,25, puisque j'ai un papier de 9,5. Ok. Je fais la petite marque identique en bas. Allez, on va faire comme ça, ça sera plus simple. Toc, 4,25, donc le centre de la largeur. Coucou Christelle, comment vas-tu? Ah, Suzanne, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il faut retourner sur les bancs de l'école. Non, tu vas voir, Suzanne, c'est super simple. Oui, Claudine, je vais très bien, merci beaucoup. Et du coup, on fait pareil. Donc, ici, sur... eh bien, j'ai perdu le nom. La longueur du papier. D'accord. Donc là, on est sur du 13,8. D'accord, souvenez-vous, 9,5 par 13,8. Ok. Donc, eh bien, on vient simplement faire une marque à 6,9. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est le principe de, eh bien, tous mes triangles se rejoignent au centre du morceau de papier blanc. D'accord? Alors, toc, regarde Suzanne, c'est trop simple. Je relis mes points. Toc. Oh là! Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis gourée. C'est pas 4,25, c'est 4,75. Ceci étant dit, c'est pas une faute. Hein. Là, je vous montre juste parce que par rapport à la première version que j'ai faite, mais
le principe de la diagonale reste le même. Si c'est pas le centre du papier, on s'en moque complètement en fait. Justement, c'est pour ça que je vais faire autre chose. Alors, 4,75, ça va être drôlement mieux. Voilà. Non mais je suis une quiche en maths, hein, je vous rassure. C'était vraiment pas mon fort à l'école. Et ça n'a pas changé. Voilà. Hop. Et du coup, voilà. La chose la plus importante que vous devez garder à l'esprit pour la carte rayon de soleil, c'est ce petit point-là. Voilà. C'est le centre de vos diagonales. D'accord? Donc, les maths sont loin. Moi, pareil. Ok? C'est ce fameux petit point ici qui va vous servir de guide pour venir coller chacun de vos triangles. Je vais vous montrer juste avec des triangles que j'ai déjà découpés avant de vous montrer comment faire. Donc là, j'ai des triangles, d'accord? Et à chaque fois, il faudra venir coller avec la pointe sur la petite marque que vous aurez faite grâce à vos perpendiculaires. D'accord? Vous voyez, donc la pointe est là. Et à chaque fois, eh bien, on va venir coller ces triangles en respectant donc la pointe et la marque que vous vous êtes faite. Et il suffit de venir coller les uns contre les autres ces fameux triangles. Si vous avez envie, vous pouvez laisser évidemment un espace entre chaque. C'est tout à fait possible, d'accord. Mais si c'est la première fois que vous êtes débutante, etc., ne vous prenez pas la tête, collez les uns à la suite des autres. Et après, il suffit simplement de découper autour ce qui dépasse. Est-ce que vous avez compris le principe? Vous avez vu, c'est très très simple. Sur donc ma première version, ici, sachez que mes papiers, mes rectangles de base, mesurent 3,8 de large sur 12 cm de long. D'accord? Donc, ce qui fait que mes triangles sont relativement petit ici. Sur la deuxième version, hop, vous voyez que si on est sur ce papier rouge ici et celui-ci, c'est le même papier, hein, c'est le même morceau de papier, vous voyez que eh bien, il est plus large. Sur celui-ci, je suis restée sur une longueur de 12 cm, mais sur une largeur de 5 cm. Et là encore, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez vous amuser eh bien, avec les largeurs de votre papier. Vous pouvez faire du rikiki, mini, tout petit, du 1,5 cm ou 2. En dessous, ça risque d'être un peu compliqué. Hein. Mais voilà, aussi petit que vous vous sentez capable de découper. Coucou Mimi, coucou Maroutine. Mais vous pouvez aussi décider de faire du beaucoup plus large. Tout simplement, vous aurez moins de papier à coller sur votre carte. D'accord? Donc, éclatez-vous avec vos chutes de papier. Faites autant de largeurs différentes que vous voulez. Vous pouvez aussi faire des largeurs différentes sur une même carte. D'accord? Vous n'êtes même pas obligé de respecter la même largeur sur la même création. Voilà. Il y a, comme je vous disais au début, des milliers de possibilités. Et donc, je vous disais aussi que vous n'êtes pas obligé donc de recouvrir l'intégralité de ce morceau de papier blanc ici. Vous pouvez décider de n'en faire qu'une moitié ou de laisser une bande blanche sur le bas. L'essentiel, c'est de respecter donc ce petit point que vous allez marquer qui n'a pas non plus besoin d'être au centre. Si ma diagonale, je vais m'éclater mais pas au soleil, pas de soucis Claudine. Hop, si j'efface celle-ci là, on va enlever le point, voilà, et que je décide par exemple, voilà, qu'on va décaler. Hop, je mesure même pas. Je ne mesure absolument pas, je ne sais pas du tout combien il y a. Voilà, j'ai juste fait une nouvelle diagonale en partant plus par là.
D'accord. Donc, je peux la mettre en mode portrait ici. D'accord. Voilà. Juste, eh bien, tout simplement, le centre de notre rayon de soleil, coucou Annie, eh bien, sera juste excentré par rapport au morceau de papier. Et on continue. Le principe sera le même. Toc, toc. Coucou ma mumu. Profite, ma belle. Voilà. Notre centre ici, eh bien, il sera excentré, sera plus vers le bas ou sur le côté selon le sens que vous voudrez donner à votre carte. D'accord? Alors, je pense que vous avez maintenant compris le principe de la création. Je vais effacer ça. Non, bah, en même temps, c'est pas grave, je vais faire l'arrière. Voilà. Du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, eh bien, j'avais envie, j'ai pas testé du tout avant, hein, donc ça va être en live. J'ai envie de laisser une bande blanche, d'accord, sur le bas de ma carte, mais j'ai pas envie que le morceau de papier soit uniquement blanc. Donc pour cela, eh bien, j'ai décidé d'embosser avec ce plioir de gaufrage, d'accord, celui dont j'ai complètement oublié le nom. Du coup, plein de perspectives s'offrent à nous et à notre imagination. Super. Oui, Suzanne, c'est exactement ça. Donc, je vais embosser juste. Alors, ça fera une grosse partie, mais je veux avoir donc une bande blanche où on verra le papier embossé. Ici, c'est un plioir, donc avec des remerciements. Est-ce que vous voyez mieux là avec cette fichue lumière? Ah, voilà. Vous voyez? Donc ça, c'est un 7. Ah, il est là-bas le papier. Je l'ai trouvé. Hop, voilà. Plioir à gaufrage, merci et bonjour. Donc, ils sont en mode paysage, ceux-ci. Merci et bonjour. Dans toutes les langues, c'est super. Donc là, je vais le faire en mode remerciement. Donc, hop, ce que je veux absolument, c'est voir apparaître le merci en bas. Donc, je vais positionner mon papier de telle sorte à m'assurer d'abord un que ce soit bien droit et deux, eh bien que l'on puisse voir le merci en français en gros ici. Vous voyez, petite astuce si vous avez des plioirs de gaufrage, la partie qui sera embossée, qui sera jolie, eh bien doit être au niveau du logo Stampin' Up en noir et la ligne, eh bien, vous pouvez vous en servir pour aligner votre papier correctement. D'accord? Voilà. Et du coup, alors là, pour l'instant, vous ne voyez pas très très bien. Je vais le passer dans ma machine et on verra donc mon merci qui sera ici au centre. Je vais donc faire en mode paysage, pas sur l'intégralité du papier avec mes petites bandes, avec en plus une partie qui sera embossée. Donc j'espère que ça va être super joli. J'attrape ma machine. Ah bah tiens, je devenais gauchère aujourd'hui, c'est nouveau ça. Je vais passer ça dans la machine. Toc. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais quand même, je pense que ça devrait être sympa. Si vous nous rejoignez à l'instant, d'abord, bienvenue! Et nous sommes en train de réaliser une carte rayon de soleil pour laquelle je vous donne plein de petites astuces. Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir en réaliser tout un tas de cartes différentes. Et ça, c'est trop cool! Utilisez toutes vos chutes de papier. C'est génial, il n'y a plus de pertes, c'est fini. On économise notre papier. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas, s'il vous plaît, ça serait adorable de la partager sur vos réseaux sociaux. Alors, voilà. Donc, voilà, vous voyez, mon papier est embossé ici. Alors, si je coupe ça, est-ce que vous allez mieux voir? Pas sûr. Du coup, il est embossé, j'ai bien mon merci qui va apparaître ici. OK? Et maintenant, je vais donc chercher le point central pour pouvoir venir après coller mes morceaux de papier. Donc, je vais faire en sorte de toujours faire apparaître mon merci ici. OK, donc je vais me mettre bien au-dessus. Voilà, j'envisage aussi de mettre une bande de papier
Donc je vais mettre un petit peu plus haut. Ok, donc 13, 8, le centre est à 6, 9. Voilà, ça va être caché, hein, ça ne se verra pas. Ok. Je peux, par sécurité et encore, tracer une ligne. Mais est-ce bien utile? Allez, on va le faire pour que vous visualisiez au mieux. D'accord? Voilà. Tout simplement. Mon point central est ici et je vais créer ma diagonale, donc. Simplement pour me guider. Voilà. Donc, j'aurai bien ma bande ici de papier qui sera donc embossée. Coucou Martine. D'accord. Et je vais avoir donc mon rayon de soleil qui partira comme ceci. Vous allez me dire, c'est bien joli ton truc, mais alors d'accord, le papier design, il est où? Eh bien, il est là. Je vous le montre tout de suite. Je suis partie cette fois-ci sur des bandes de papier qui sont donc beaucoup plus grandes. Je suis partie sur du 6 par 12, tout bêtement. Je suis sûre que vous avez déjà reconnu la collection Caprice de Météo, qui est une collection du mini catalogue que j'aime particulièrement, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Voilà, on a du papier brillant qui est trop joli. On a des poinçons également qui non seulement découpent les sets de tampons, mais également le papier design. C'est magique. C'est trop cool. Le set de tampons, bien sûr, coordonné. C'est une collection tellement joyeuse. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire autrement que de faire cette version-là avec cette collection. Alors, maintenant que j'ai mes morceaux de papier, donc j'ai fait 6 par 12, simplement, on va venir couper en diagonale tous ces morceaux de papier. Donc si vous avez un coupe-papier, il suffit simplement de mettre chacune des pointes dans la rainure. Okay. Souvenez-vous, je vous ai souvent dit, lorsque l'on coupe des pointes comme ça, on n'attaque pas par la pointe, mais on met notre lame n'importe où sur le morceau de papier pour venir couper ces fameuses pointes. Sinon, ça a tendance à faire rentrer la pointe vers l'intérieur et c'est beaucoup moins joli. Et du coup, ça y est, on commence à avoir nos triangles. Hop, et on fait ça sur tous nos morceaux de papier. Le nombre est aléatoire, d'accord? Je vous ai mis, je crois, sur la liste à préparer entre 10 et 15. C'est vraiment là, en fonction de ce que vous aurez choisi de faire en base, d'accord? Et puis également en fonction de la largeur de vos papiers que vous aurez choisi. Hop. Donc si vous voulez que je vous rappelle les mesures de mes premières versions, sur la version avec le gros câlin en papier, c'est 3,8 par 12 la largeur, et l'autre, eh bien 5 par 12. Et là, pour la version que l'on fait ensemble, je suis partie sur du 6 par 12. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je papote. On peut le faire avec des ciseaux, car je trouve que je fais ça très mal, mes pointes avec... Oui, mais il n'y a aucun problème. Une paire de ciseaux, un cutter, faites ça exactement avec les outils avec lesquels vous vous sentez les plus à l'aise. Évidemment, le principe, c'est simplement de couper en diagonale. Donc, aucun problème. Voilà, hop, et on fait ça sur tous nos morceaux de papier. Hop, on vise la pointe. Voilà. Ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes en train de couper donc vos papiers à motifs? Dites-moi. Hop. Voilà. Je vous rappelle que les inscriptions pour le kit album sont ouvertes jusqu'au 30 au soir. Donc,
Vous pouvez vous rendre sur l'article de blog, le lien est dans la publication au-dessus de la vidéo sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube pour aller voir le détail, le formulaire, etc. Alors normalement, j'en ai assez. Je te regarde avec passion. Oh, c'est gentil Claudine. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Alors, tous mes petits triangles sont coupés. J'en ai probablement 4 fois trop, mais c'est pas grave. On peut faire autant de cartes qu'on veut. D'accord. Alors, j'ai ma pointe. On est d'accord? Maya, oui, c'est super. Bon, génial. Et du coup, eh ben, voilà. On va pouvoir venir coller chacun de nos triangles les uns à côté des autres. Donc, vous allez voir. Du coup, ça va donner une autre sensation, le fait que, comment dirais-je, que j'ai fait des largeurs plus importantes. Oui, ça va venir comme ça. Ok, donc pour les coller, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir directement en coller la partie où vous allez mettre vos triangles. D'accord. Alors pour cela, je vais prendre, hop, mon adhésif. Et je vais venir en coller partout où je vais venir mettre mes triangles. Comme ça, j'aurai plus qu'à venir les positionner correctement. Voilà. Alors là, j'insiste bien parce que du coup, j'ai l'embossage. Donc, il faut que je le colle bien. L'avantage de ça, c'est que du coup, on va pas en avoir plein les doigts. Gros bisous, ma petite Karel. Bon courage à toi. Merci d'être passée. Hop. J'ai ma ligne. Ok. Là. Alors, le principe, c'est qu'il y en ait un maximum partout. Hein, pour éviter d'avoir cette sensation de papier qui va se décoller. Voilà. Nickel. Donc du coup, partout où je veux poser mes triangles, c'est déjà encollé. Donc c'est nickel. Je pose ça là et je viens tout de suite commencer à coller mes triangles. Alors, je vais tourner un peu parce que pour être à ma main, voilà, je vais me servir de ma ligne comme guide. Bien fixer la pointe. Là où j'ai fait ma petite marque. Voilà. Et c'est parti, on n'a plus qu'à coller. Et c'est trop cool. Il y a tellement de possibilités. Voilà. Et on continue, on fait ça jusqu'à ce qu'on ait recouvert tout ce qu'on a envie de recouvrir, donc. D'accord. Voilà. C'est super. Ça va être trop joli. Ça vous plaît? Est-ce que vous imaginez toutes les créations qui vous attendent et toutes les possibilités qui s'offrent à vous avec cette création? C'est génial. Je vais m'amuser avec l'alternance. Toc, toc. Celui-là. Mais celui-là, il était... Ah ben non, c'était bon. Voilà. Du coup, vous allez pouvoir jouer avec les couleurs. Vraiment, ça va être trop chouette pour vous, allez voir. Allez, qu'est-ce que je rajoute un peu plus clair? Ouais. Voilà. Toujours bien rejoindre le petit point central. Donc je vous avais dit, hein, je ne sais pas trop ce que ça va donner mon truc. Mais ça me paraît pas mal du tout. Hop. Voilà.
Du coup, le grand, a priori, se superpose un petit peu sur l'autre, mais à 2 mm près. Donc finalement, peu importe. Voilà. Tu colles les crayons de n'importe quel côté? Ouais. Oui, j'ai même pas réfléchi au sens dans lequel je les mettais. J'ai fait complètement aléatoire, mais vous pouvez aussi vous amuser. Là, vous voyez, c'est dans tous les sens, mais vous pouvez vous amuser à mettre toujours dans le même sens, c'est-à-dire continuer avec l'angle droit à chaque fois dans le même sens. C'est pour ça que là aussi, il y a tout un tas de possibilités. Soit vous voulez que ce soit hyper carré, soit, peu importe en fait, vous prenez vos chutes et vous venez les poser. Il n'y a pas de règle. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de règle. C'est juste se faire plaisir et puis voir après s'il y a vraiment quelque chose qui vous plaît plus qu'autre chose, tout simplement. Et puis après, de voir ce que vous préférez faire. Tout est possible. Il n'y a aucune obligation et aucune erreur. La seule chose qui compte, c'est de vous trouver un point focus pour vous guider au moment du collage pour fixer vos pointes. Voilà, c'est vraiment la seule chose à respecter. Si vous voulez carrément pas tracer de diagonale, ça aussi c'est possible. Choisissez simplement un point. Voilà. Faites un point sur votre morceau de papier, tout bêtement, d'accord? Et du coup, voilà, ça vous serve, que ça vous serve de guide. Un point focus, tout simplement. Et voilà, ça rend pas trop mal. Je trouve. Je vais coller une petite bande de papier ici. Voilà, pour cacher la délimitation, je pense. Et donner un petit peu de couleur. Alors, la question c'est, quelle couleur? Pour la grandeur des triangles, n'est pas obligée d'être égale. Bah là encore, non, en fait. Si vous avez envie de faire des largeurs différentes, aucune importance. Merci Sophie, t'inquiète, j'avais compris. Super joli, c'est mignon aussi, j'aime bien moi. Non, non, vraiment Suzanne, faites-vous plaisir. Et j'ai envie de vous dire, testez. Testez de faire des largeurs différentes pour une même carte. Testez des petits et des très grands. Faites-vous plaisir en fait. N'ayez pas peur de tester. Encore une fois, il n'y a jamais d'erreur en carterie et en scrap. D'accord? De manière générale. Tout se rattrape. Et à partir du moment où vous, ça vous plaît, le reste, on s'en moque. Clairement. Ok? Je peux pas être plus précise avec ça. Du coup, il me reste pas mal de triangles. Je vais voir ça après. Coucou ma petite Béatrice, comment vas-tu? Ça fait un bail que j'ai pas eu de tes nouvelles, dis donc. Je disais, est-ce que je tranche avec du bleu? Peut-être. Alors, je vais prendre une bande. Ah non, je sais ce que je vais faire. Il est où mon coupe-papier? Il est là. Alors, je vais couper une petite bande de fleurs. Hop. Alors, 1 cm, on va faire 1,5. 1,5 par toc toc 13,8. Voilà, comme ça j'économise aussi mon papier. Une technique et plein de possibilités, tout ce qu'il me faut. Merci André. Catherine, très jolie aussi ce modèle. Oui, ça va être complètement différent. Mais je voulais vous montrer une autre option. Du coup, à partir du moment où vous comprenez le principe, vous pouvez vous éclater. Coucou Daniel! Mais non, ne t'excuse pas, tout va bien, voyons! Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite bande? On voit les jolies fleurs. Alors, j'ai bien fait de garder les chutes de triangle que j'ai obtenues lorsque j'ai fait mes calendriers de l'avant. Ça, c'est chouette. Parfait, Suzanne! Alors, ça me paraît pas mal. Et du coup, je vais rajouter ce petit renard tout mignon qui est ici, que j'ai découpé directement dans le papier design. Voilà, avec le fait de cette bande-là, j'adore. J'adore. Je sais pas vous, mais moi, je kiffe ce truc.
Alors, c'est bon, je vais pouvoir coller ma petite bande. C'est trop bien. Ouais, ça fait trop chouette. Je suis trop contente. Donc là, ma bande ici, elle fait 1,5 de large par 13,8, tout bêtement. Voilà. Je vais coller mon petit renard avec des dimensionnels. Ça sera plus joli. Hop. Allez, je prends ça. Je vais les couper. Comme ça, c'est pareil. Pas de perte. Alors, si vous avez des dimensionnels, pensez à faire ça. Découpez le contour. Comme ça, vous utilisez l'intégralité. Je suis sûre que vous y avez déjà pensé, mais dans le doute, hein, ça fait pas de mal. Alors, je te fais plein de gros bisous, ma petite Béatrice. Hop, je vais venir coller tout ça. Voilà. Avant de venir coller mon petit renard, je vais venir coller sur ma base de cartes l'ensemble. Ça sera plus facile. Et surtout plus esthétique. Voilà. À la place de ma bande de papier, vous pouvez aussi, selon le thème de votre papier, venir mettre un ruban aussi, par exemple. Hein, venir mettre un ruban ici pour cacher la délimitation. Mais pensez cependant à bien le mettre avant de venir coller sur votre carte. Ok? Tout simplement pour que ça tienne bien. Voilà. On a presque une impression de ciel bleu, du coup, avec le béguin bleu, le matage. C'est trop cool. J'adore. Bon, si cette vidéo, elle vous plaît, allez-y, hein, partagez-la. Je suis sûre que tout le monde va se rendre compte à quel point on kiffe ce qu'on est en train de faire. Hop. Voilà. Allez, je viens coller mon petit renard ici. Toc. Oh, c'est pas mignon ça. Moi aussi, mais je te surveille. Ma petite Béatrice. Voilà. C'est trop cute. J'adore. À l'intérieur, on va décorer. Et s'il faut juste que je retrouve, voilà, mon morceau de papier. Hop, qui va venir à l'intérieur. Merci Marie-France, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Alors là, il y a plein d'options. Soit vous jouez avec vos chutes de papier dans un sens, dans l'autre. En fait, il n'y a pas vraiment... Encore une fois, il n'y a pas de règle. D'accord. Et du coup, je pense que je vais venir faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Est-ce qu'on est obligé de... Je réfléchis, hein, vous voyez pas. Du coup, c'est pas assez large. Mais j'ai quand même envie de faire ça. Donc, je vais exagérer un petit peu. Je vais reprendre un autre morceau de papier. D'accord. Hop, je vais prendre celui-là. Et je vais faire du un petit peu plus petit. Je vais faire du 3,5 par 14. C'est vraiment pour habiller, hein. Hop. 3,5 par 14. Je vais avoir un petit peu de rame. C'est très bien. Je veux le flamant fougueux ici. Merci Béatrice. Hop. Voilà. On entend son cerveau qui est en ébullition. Ça va, c'est pas trop gênant, j'espère. Ça fait un joli coucher de soleil. Oui, c'est vrai, Christelle, exactement. Exactement. Allez, merci. Alors, est-ce que ma mesure va être correcte, à votre avis? Yes. C'est pas mal. Alors, je vais faire ça. Toc, toc. Et du coup, je viendrai couper juste ce qui dépasse. Ouais. Hein, ça va être joli. Allez, go, c'est parti.
Suzanne, ça va? Ça fait pas trop de bruit, le cerveau qui fume? Voilà. Alors, si vous avez, comme moi, ce petit truc de colle là, vous rabattez vers l'intérieur avec vos doigts. Hop. Et on y va. On vient coller. Voilà. Je vais mettre ma pointe ici en bas. Veux-tu, s'il te plaît, m'obéir, petit papier? Voilà. Nickel. Et du coup, j'ai juste à retirer les petits millimètres là. Hein. Voilà. Hop. Un petit message que je vais rajouter ici. Pour cela, je vais prendre, comme l'autre fait à la main, créer avec le cœur ici. Voilà, je vais le tamponner en flamant fougueux. Oh. Non, pas en flamant. Je vais tamponner en béguin bleu. Comme mon papier est en flamant, du coup, ça sera un petit peu plus coordonné, ça sera plus joli, je trouve. Ça fera trop rose sinon. Voilà. Donc, hop. Béguin bleu. Nickel. Et du coup, je vais le mettre là. Voilà. Ah non, ça donne de merveilleux résultats, j'adore. Allez les filles, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. C'est trop gentil, Suzanne. Merci beaucoup. Hop. Allez, je nettoie ça. Et du coup, je vais pouvoir coller. Donc cette partie à l'intérieur, voilà, c'est pas grand chose, hein. C'est juste une petite déco en plus. Voilà. Pour avoir un autre effet surprise quand la personne ouvre la carte. Voilà. Sympathique le truc là. C'est de la colle, c'est rien. Hop. Je vais prendre ma gomme magique après. Voilà. Du coup, c'est tout bête. Vraiment tout bête. Mais avec un petit triangle, une petite chute de notre papier, un petit sentiment, et bien du coup, voilà, on a un super intérieur de carte. Voilà. Je voudrais réussir à... voilà. Ici, vous voyez mieux du coup avec notre fameux embossage. Voilà. Donc de près, ça donne ça. On aperçoit le merci. Donc même pas besoin de mettre un sentiment par-dessus puisque voilà, tout est là. C'est top. Et du coup, ça me rappelle une technique de patchwork. De rien, l'idée vient pas du tout de moi, on est bien d'accord. Moi, je le répète toujours, 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 je ne suis là que pour transmettre, d'accord? Je n'ai jamais eu la prétention d'être une ingénieure, ou une architecte, ou une dessinatrice, ou quoi que ce soit de ce genre. Moi, j'ai le plaisir de vous transmettre plein de choses de ce genre. Et du coup, voilà! On a notre fameuse carte rayon de soleil, cette fois en format paysage, sans avoir recouvert l'intégralité de notre carte. Alors, vous avez compris le principe, hein, je vais aussi décorer mon enveloppe. Gros bisous Mimi, gros bisous, gros bisous. Merci Isabelle, c'est gentil. Et du coup, eh bien, vous voyez déjà un premier aperçu de toutes les possibilités qui s'offrent à vous, que ce soit en recouvrant le papier en intégralité, la possibilité d'avoir des largeurs de papier différentes, ce qui nous donne un aspect aussi différent, la possibilité de faire en portrait ou en paysage en embossant aussi eh bien, votre papier uni. Coucou Nadine! Voilà.
Et imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire. J'ai trop hâte de voir vos versions, vos créations avec cette technique de rayon de soleil. Vraiment, je suis sûre que je vais pouvoir voir des merveilles. Surtout, pensez à les publier avec le hashtag HarmonyScrap, que je puisse en profiter moi aussi, de voir un petit peu où vous a mené votre imagination et vos papiers aussi, parce que c'est aussi en fonction de nos papiers qu'on se laisse guider et porter. Merci Nadine, j'espère que ça vous a plu. Celle du milieu avec des triangles aussi. Tout est en triangle, Martine. Tout est coupé. Les rectangles de base sont tous coupés en diagonale. Et après, on a des aspects différents selon la largeur de base des rectangles, tout simplement. Bonne pédagogue tout de même. Merci André, c'est gentil ça. Ça, c'est adorable. Et voilà, du coup, vous avez plein plein de possibilités. Partagez-moi surtout vos créations. Hashtag HarmonyScrap pour que je puisse les voir. Ça me fera vraiment très très plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça y est, on arrive à la fin de ce live. J'ai adoré vous transmettre ces petites astuces. J'ai adoré partager ce moment avec vous. J'espère que les personnes qui sont venues pour la première fois aujourd'hui auront passé un bon moment. Vraiment, merci beaucoup. C'était vraiment trop cool. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau projet. Et en attendant, plein d'inspiration cette semaine. Je vous embrasse. Pensez au kit album. Les inscriptions sont jusqu'au 30 mars. Ciao tout le monde! Merci beaucoup!